évoquons encore matin et un Port-au-Prince qui toujours difficile pour moun circuler. La Pérez là, li continue marquer l'esprit citoyen à cause risio gagné pour yo victime zak kidnapping yo qui continue pour la plus belle dernier jour sa yo et c'est dans contexte ça moun c'était moun qui était kidnappé joine libération tant coup nous apprendre libération directeur collège Jacques Roméa. Après environ 5 jours, il est passé dans mes ravisseurs. 5 jours côté élève l'école, elle a dirigé sous la LUA. Et plusieurs autres mondes étaient mobilisés pour joindre et réclamer libération. Directeur qui, depuis hier, rejoint famille. Yonamab, famille, la fleur, là, qui, pendant toute semaine, là, Pat suspend intervenu dans les médias pour exiger libération directeur. C'était matin fait en intervention et en façon pour remercier tout le monde qui était accompagné familial pendant un moment difficile. Ça et voilà, nous rejoignons une sœur et mettre là qui était venue là pendant ce maintenant qui avec nous encore matin. Bonjour madame. Bonjour et Pierre Renel. Et je sais pas si Bob C est là. Bonjour Bob C. Et puis bonjour à tout le monde qui a écouté Radio à matin. Et vous avez souhaité intervenir matin et très rapidement, nous imaginons c'est le contentement dans la famille. Donc, et comment tu apprends une nouvelle libération? Oh, moi j'étais content, moi j'étais vraiment content, moi j'étais réjoui. Et oui, ça fait tellement du bien. Ouais. Et puis m'a remercier et tout le monde. Et oui, je voudrais remercier tellement. Oh, émotion, et c'est même émotion ça, on a rappelé les où t'as intervenu pour première fois, mais ma bande on doit parler créole, on connaît, on va vivre dans un pays côté, un pays francophone, mais pas un problème, on c'est haïtien, et l'étape mieux sous Exprimo, et en créole, on a fait ça, et on espérait qu'on reprenne souffle. Et voilà, Koulia, on est capable d'exprimer tout ça, on voulait exprimer, dans l'occasion, libération, frère, Hans, la fleur, bandit, t'es kidnappé, week-end qui s'est passé, et finalement, qui joue une libération, hier, jeudi. Ok, oui. Et, moi, t'es content. Moi content en pile, moi réjoui et puis à toute famille moi. Et puis et que moi remercie que monde tout monde qui te porte mes support comme quoi qui dit pas décourager que frère là après lâcher. Moi remercie tout monde ça yo. Et puis surtout pour nous-mêmes animateurs radio qui te fait voir me passer. Et puis, moi remercier, non. Et puis encore, moi remercier. Moi remercier et que tout le monde qui te prié pour frère n'a relâché. Vraiment là, moi remercier tout le monde ça. Moi content et puis moi réjoui. Et puis moi-même tout que m'a prié pour nous. Moi vraiment content. Vraiment content. Me dit pas de chambre connaît si la fleur Hans te gain tout monde ça qui te remet. OK? Me content et puis c'est ça. Me vraiment content. Et puis mal. Voilà, et remerciement yon nan membre famille la fleur après libération Hans la fleur qui sous bon pal te rele nou hier nan téléphone pour te remercier et remercier tout monde qui te porté solidarité à clé pendant un moment li passé dans mes ravisseur yo Hans la fleur qui promet pour lui avec nous lundi prochain. Mais nous pas gain nouvelle guerrier sous dame ça il était kidnappé dans même jour avec Hans la fleur c'est Chantal. Chantal Luma qui est responsable pour l'école là et pour mon handicapé mm-hmm. Ou Timon handicapé non et oui master mm-hmm. Nous pas gain nouvelle li jusqu'à présent. Mm-hmm. Ouais. Mais semaine ça tout la police qui se font un coup
puisque pour première fois ou bien une rare fois, la police stoppé et un groupe bandit qui t'apparaît pour kidnapper un cadre en BRH qui c'est Wetil François Junior, selon information nous t'ai gagné dans un premier temps, mais la police rencontré avec la presse hier pour bailler plus de détails concernant opération ça. C'était occasion pour porte-parole là renouveler détermination institution pour croiser Zach Bandio sous population malgré tout ça qu'a dit et après le côté précision porte-parole police nationale là Jacques Desrosiers. Alors c'est Gary Desrosiers qui fait qu'on a gagné une rencontre qui a fait une proposition qui doit rejoindre le gouvernement avant longtemps pour capable garder pour capable aider parents victimes avec parents policiers qui mourent dans l'exercice fonction. Yon côté Gary Desrosiers dans micro Marc Gerson Félicien. Un ensemble de mesures qui prend au niveau de la direction générale de la police nationale. D'abord, pour intensifier patrouille préventive au niveau zone métropolitaine, renforcer également patrouille et n'a profité dans le moment ça pour que nous disions encore à la population merci pour la collaboration que nous continuons à porter à la police nationale. Nous tendons à voir la population à travers les médias qui décidait de lever pied avec PNH là. Pour ensemble pour que nous capables de croire bandits. Ils ont fait trop tort déjà dans la société. Hein? Trop petits pays ont perdu la vie. Trop jeunes violés. Trop monde kidnappés. Et la population hein, comprend la nécessité pour que nous mettions main avec la police pour que nous capables ensemble éradiquer le phénomène et éclater le réseau de gangs qui depuis bien longtemps empêchait la population paisible vaquer librement l'activité. Mais la petite population, il faut le faire sans violence. Dès que nous identifions un gang dans le quartier, dès que côté minorité, il y a un mouvement que nous ne comprenons pas, il y a un monté descend, il y a des visages que nous ne comprenons pas qui paraissent suspects, relayez la police dans 38-38-11-11 et pour que la police lui-même capable de faire travail. Nous n'avons pas demandé pour qu'ils lèchent les gens, ni pour qu'ils tuent les gens. Mettez la police au courant et la police lui-même l'a fait travail par lui. Hier encore, et au cours de l'après-midi, DGPNH a été présidé à une réunion sous ensemble de propositions et qui gagne pour prendre charge les policiers qui sont victimes de l'exercice de fonction et parents policiers tout qui décédé. Gouvernement déjà au courant et la petite démarche là, sous peu, document ça, proposition ça pour rejoindre gouvernement. Également, proposition tout pour une meilleure gestion de ensemble matériel PNH là. Et au niveau inspection générale, gagné actuellement une campagne de sensibilisation qu'a faite au niveau des DOO, il commençait par DDO, à savoir DDO l'Ouest 1 et DDO l'Ouest 2. Objectif là, c'est pour parler avec eux concernant Douamoun et question Kaboulan tout et usage force là et comment que ils sont capables eux-mêmes faire un meilleur usage de ça revient comme matériel également sous comportement policier. 38 38 11 11 numéro la police là pour capable signaler toutes zaks kidnapping on monta remarqué porte-parole là qui ont fait encore dit miser sur population pour yo capable combattre phénomène ça. J'ai noté tout à l'heure guerrier la police est arrivé stopper un groupe bandit qui était pral kidnapper un cadre là dans la banque semaine ça porte-parole là en contact la presse ça pour plus précision puisque gagné trois qui mouri et gagné une machine de la police qui est censé bandir aller avec lui va connaître. Oui, c'est ça. Donc la beauté précision sur ça. Oui, donc papa là qui confirmé gagné pour petit trois dans présumé bandio qui est tombé dans échange coup de zame avec la police gagné deux machines la police confisquées. Il y a rien de fait connaître tout gagné une machine la police un pick-up Toyota
blanche, plaque 1-011-89. Donc, Mounio, mettez ça dans la tête, non? C'est 1-011-89. Donc, ces machines, ça, qui sont machines Zorekin, la police, bandits ont saisi avant hier. Donc, machines, ça, qui n'en met bandits. Donc, population a dû arrêter veillatif avec machines, ça, d'après Gary Desrosiers, qui était dans le micro. Marc Gerson, félicitations. Nous tous connaissons qu'il y a une tentative de kidnapping et dans la zone rue des Cazennes. Heureusement, il y a des patrouilles qui étaient dans la zone là et qui, suite à information, arrivaient des villes. Et ça vient provoquer une situation d'échange de tir entre la police et les bandits. Et tout de suite, patrouille qui était là, est obligé de renfort. Et renfort de vini. Malheureusement, gagné pour Pépiti, trois bandits qui stoppaient et qui malheureusement blessés mortellement. Il y a deux véhicules qui confisqués. Et pendant l'échange de tir là, et parce que M. Bandit a pratiquement été gâté, disons, dans toute zone là, il était en pile, et gagné un véhicule de police. Que arrivé à la réclée, qui c'est un total Land Cruiser pick-up, quatre portes de couleur blanche. Niveau plaque lancée, c'est 1-011-89. L'important pour nous signaler encore à la population, veillez à la machine ça, qui c'est un pick-up total Land Cruiser, ça a les eaux et qu'un pick-up, aux machines tout neuf. Lié. Quatre portes, deux couleurs blanches, niveau plaque lent, c'est 1-011-89. Nous demandons à la population pour veillatif à numéro ça et demander la presse, surtout dans le reportage qu'on va faire pour nous, stipuler bien description ça que nous avons concernant plaque et machine. Là. Inspecteur Gary Desrosiers, donc, n'a pas pris plaque machine, la police, c'est là, Zoré Kinsa, qui est nommé Bandio, c'est, yon Toyota, plaque 011-89. Donc, c'est machine ça qui nommait Bandio et la police s'est demandé avec la population pour eux, très, très veillatif, Gary Desrosiers, allô? Oui, bonjour. Bon, dévoué les là, madame n'a pas là, sans doute gagnant une explication qu'on veut porter. Bonjour. Merci encore, Pierre-Renel Guerrier, auditeur auditrice Radio Caraïbe, encore une fois. Et je nous dis, hein, non, dit population, merci pour ensemble les efforts qu'il a fait avec PNH là. Et nous, je nous dis, la conférence là, au commandant et dans les voyous, et nous disons simplement, c'est le parfait et faire sans violence. Mais à savoir, et puis comme là, et que vous ne savez pas de la c'est exactement ça. Mm-hmm. Et, mais et, c'est mon picote équipé. Il y a un chauffeur qui a un logo PNH raqué sous capot. Il y a une police qui écrit dans deux boyaux avec logo. Extrêmement important. Oui, donc ça veut dire c'est peut-être une machine qui vient toute sa institution la police exige pour une machine capable de circuler et donc Mounio doit être très très veillatif à ça. Surtout à Gloa, c'est un pick-up blanche et ça peut réaliser et si population est encore une fois dégrégatif, on pourrait que gagner peut-être quelques pick-up contacts ouais, qui en situation qui a pu circuler. Qui n'a pas trouvé, qui a fait pour les équipes. Mais c'est plaque là, c'est numéro 1. Non, mais plaque là, pas de parole, ça qui arrive, monsieur, au changé là. Tout à fait, ça qui arrive, mais tout, malgré ça, c'est pas nous-mêmes seulement qui gagnent, et maison, c'est pas nous-mêmes seulement qui gagnent, effectivement, et puis comme ça, peut-être dans l'État qui gagne, mais n'a pas de vigilant, surtout à. De véhicules. Mais pas de parole. Et comment bandit est capable de faire pour un pick-up nous, la police, et nous apprendre qu'il a allé tout avec le chauffeur qui était sous machine. Vous pouvez nous plus de détails sur ça? Non, pas au courant de ça. Et pour ceux qui me disent que tout le monde a expliqué amplement. Et c'est pas une opération que la police a menée dans la zone de
Bazel. Et c'est des conflits qui étaient déjà là. Et puis, nous défions la situation, nous défions le kidnapping là. Et les policiers sont placés au moment des renforts venus, et puis pratiquement intervention. Mm-hmm. C'est pas opération planifiée. Que donc, ces policiers ont probablement le pantin sur attaque là. Les situations du tir, et les policiers lui-même sont capables de la situation de tout côté qui coûte pas la tirer, et puis demander pour que pour le déplacer du côté lien pour que capable de même admettre leur sécurité. Okay? Et ça arrive aujourd'hui. Mais à noter que nous dit que nous arrivés et récupérer et deux véhicules, mais en leur position c'est trois véhicules et que n'arrivaient confisqués. Qui était dans les bandits. L'opération, ça, nous connaissons, vous confirmez pour nous, il y a trois bandits qui mourent. Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que nous arrêté tout? Puisque nous avons en vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est un bandit qui est en backroad. Et moi, j'ai ça par la suite après confiance. Hein? Et mon capable toujours pour des décisions parce que moi même parlé avec avec des données comme à l'accoutumée et moi rapidement en contact avec le commissaire pour prendre pour connaître ce qui est tout à l'arrestation, mais à savoir vous blessez nos informations tout t'as gagné encore dans votre vidéo qui blessé. Mm-hmm. Ok, donc nous apprenons en fait policier ça a dit qu'il était dans la machine non, c'est peut-être téléphone qui était arrêté dans la machine non, et sans doute monsieur a utilisé et qui mettait image li dehors donc mais pas dans main bandit donc nous apprenons la police là donc pour protéger policier parce que il y a information qui fait quoi t'as gagné menace sanction sous doyo donc nous souhaitons plus encourager policier au lieu c'est ces menaces sanctions qui sont dehors dans un moment ça. Merci un peu, votre parole. D'accord. Sorti 1er février, arrivé journée jeudi, 8 machines saisies, 28 âmes, 255 cartouches, 5 kg marijuana, sans compter Silayo qui tombait en babal, échange coup de zamak à la police. Dans Croix des Bouquets, spécialement, sorti 1er février, il y a 40 monde qui arrêté, 3 âmes saisies, 14 bandits tombés, 2 policiers mouris d'après Garé Desrosiers qui profitait parler sous la mort. Policier Séraphin Marcellus, avec ancien commissaire Patrice Israël, qui est tombé en babal. Bandit des CPJ déjà arrêté en pile monde dans quatre dossiers saio d'après inspecteur Gary Desrosiers qui était dans le micro Marc Gerson Félicite. Gagné 6 présumés bandits qui lynchés par la population et qui malheureusement blessés mortellement. Gagné plusieurs bandits lors d'opération tour qui stoppés et qui blessés mortellement. Au niveau de l'accident de circulation, nous avons enregistré 6 monde qui blessés lors d'accidents de circulation et malheureusement 15 morts lors d'accidents de circulation. Nous recensons 5 cas de viol et gagné plusieurs arrestations qui faites. En total, sur tout le pays, 233 arrestations. Chef d'accusation, détention illégale, ZAM, trafic illicite de marijuana, homicide, viol, viol sur mineur, enlèvement et séquestration. Ne croit des bouquets. Nous connaissons que l'opération a continué dans la zone Zahara et nous avons partagé un petit bilan de l'opération Croix des Bouquets parce que la police, de même, a été capable encore sur Croix des Bouquets parce que la population Croix des Bouquets a deux rallons souffle et yo porté tout en pile collaboration avec nous. Gagné pour Croix des Bouquets seulement, un bilan partiel, du premier à date. Gagné 40 arrestations qui faites, gagné 3 âmes qui saisies, yon M14. Yon T-65, yon pistolet de calibre 9 mm, gagné 14 bandits qui blessés mortellement au cours de champs de tir avec la police pendant l'opération. Gagné 2 policiers malheureusement qui tués pendant l'opération. Gagné 2 policiers qui blessés, gagné 3 véhicules qui confisqués. Le 11 mars 2022, au cours d'une patrouille dans la zone Carrefour-Taille, à proximité de Milo, gagné 4 suspects qui étaient à bord d'un véhicule Rodeo de couleur noire, numéro plaque laissé AA21188. Et pendant la police a privé sur eux, monsieur Yo, yo tiré en direction de la police. Malheureusement, Guillaume Nadero qui blessé mortellement, qui relève Gino, ainsi connu.
nous joignent, nous récupérer un pistolet de calibre 9 mm, chargeur, un fusil 12, 5 manchettes, une épée, et puis 4 livrets, banque, et puis un véhicule. Toujours dans le Nord, le 14 mars 2022, la police, dans le département Nord, mène une opération, c'est une opération conjointe SDPJ et UDMO. Et dans Chada 1, gagné 7 présumés bandits qui arrêtés, 3 armes saisies, plusieurs cartouches, 2 passeports, également 2 paquets de marijuana, 2 téléphones. Dans 4 dossiers, la mort policier Séraphin Marcellus, qui était faite le 17 mai 2019. Également, ex-commissaire principal Patrice Israël, qui était faite le 19 janvier 2020. DCPJ arrêté Christopher Alexandre, Anderson Jérôme, Emerson Anus, qui continue que les Gabo. Tout le monde fait partie de 400 Marozo. Arrestation sans affaire le 21 février, le 1er et 2 mars 2022. Gagné plusieurs suivis d'enquête qu'a fait au niveau de homicides qui sont cités au niveau de la direction centrale de la police judiciaire et sous. La mort et policier, également l'autre frère Axenon qui est victime de bandits. Et pour jeunes confrères journalistes qui malheureusement étaient tués pendant qu'il t'a fait travail, il t'a couvert en manifestation un ouvrier. Et gagné des CPJ qui déjà tendait deux ou trois témoins dans le cadre de César. Au moment opportun, NAP en mesure pour que nous informions la presse de enquête sous confrère. Le CDG arrêté pour homicide le 7 février 2022, Amir Ballet, Pierre-Richard Georges, pour implication présumée dans la mort Robinson et d'Alens Préville, qui était faite dans Croix des Bouquets le 5 septembre et le 15 novembre 2021. Gagnant Franz Miller, qui a arrêté tout pour implication présumée, dans la mort Emmanuel Georges et Wiggins Léger, respectivement, dans la nuit, non, respectivement, dans Ruelle Chavannes et Rue Monsieur Guillaume, dans la nuit du 2 au 3 mai 2021. Notez bien, policier André Stanley était arrêté dans le cadre de dossier Sato le 5 novembre 2021. Jean-Fritz Gérald Ricardo registre, DCPJ arrêté l'entorselle le 26 janvier 2022 pour implication présumée dans la mort policier Emmanuel Silencieux Gentil qui était faite malheureusement le 18 juin 2021. Porte-parole de la police nationale, la Gary Desrosiers, pendant yon rencontre avec la presse hier, qui yon fois encore mandé support population qui, pour côté pas l'abtonne, la police agit pour capable permettre li respirer tout le monde sous Bopayo à plein contre kidnapping, nan, mais toute invitation pour manifester, moun yon pas vraiment répondre à l'appel, d'un coup, manifestation ça, rassemblement contre impunité organisé hier dans Port-au-Prince. Alors, il y a un rassemblement sous Champ de Massa dans l'idée pour protester contre le phénomène kidnapping et insécurité. Responsable organisation a invité tout secteur, mettez ensemble pour y combattre Zak Bandio, Lerona, Renalno. Quoi, il n'est pas normal pour chaque secteur décider à faire mouvement. Pas yo, l'or yo victime, alors que le phénomène a touché tout secteur dans la vie nationale. Là, Lerona, Renalno, dans le micro, Regina Rémy. Chaque secteur, nous-mêmes, nous prêts à organiser les victimes. Mais c'est pas pour ça lié. 86, c'est peuple haïtien qui te met ensemble. Ils ont été débarrassés du pays, du régime qui va les risques là. Je dis à côté population, côté peuple haïtien, la police, qui ça nous doit comprendre de nous-mêmes, population, les rassembler pour que les disent non à kidnapping ou tirer gaz sur eux. On tue un journaliste, élève l'école dans la rue, a dit non à kidnapping, libérer directeur, yo, ou battre, ou regarder sur yo. Qui ça n'a dit? Est-ce que je dis, nous avons dit, population a ligué la police qui pour servir et protéger? Nous demandons la population pour qu'elle organise. Moun Montana, yo,
L'autre accord, yo, n'a pas pour la population, li prend la rue pour nous-mêmes, pour Ariel qui était primati, qui était par le national. Après ça, nous-mêmes pour la diriger. Moi, pour aujourd'hui, la population est assez intelligente. Rete la caille, nous. Rete la faire réunion chaque jour. Qu'on est Ariel pour quitter le pouvoir pour nous-mêmes. Pas prendre la rue, pas organiser nous. Pas mettre nous ensemble. Que nous débarrasser pays à des sacs à passer. Nous-mêmes, dans le rassemblement contre l'impunité, en plus de l'organisation qui est là avec nous, nous conscients, en plus de l'organisation qui est là, nous-mêmes, organisation ça, nous tiens à ce que nous mettons ensemble pour que nous disions non à kidnapping, on dit non à insécurité. Est-ce que je dis à nous, j'entendais Ariel Henry, voyons notre, pour dire condamner quand tout le monde est kidnappé? Quand tu es moun qui a pourri Matissan, quand tu es moun qui a pourri quoi de bouquet, ça n'a pas intéressé. Ça qui intéresse Ariel, c'est organiser l'élection pour l'albaye équipe criminelle par elle au pouvoir. Est-ce que nous-mêmes, population, nous apprenons pour Ariel quitter le pouvoir comme ça, sans que nous ne pas mettre nous ensemble? Nous-mêmes, je dis, nous rassemblons sous place constitution, nous disons population, si méchants yo te organisé yo te mette en application constitution 1987 là, ça va pas jamais passer comme ça. C'est parce que yo pas jamais mettre en application constitution 1987 là. Et moun ka parler, yo dit faut yo bay au piki de conscience. Piki conscience ça, li concerne tout chef d'état qui passait deux dernières années yo. Yo tout, ça qu'a parlé de piki conscience, yo même yo mérité pour prendre piki conscience là tout, pour qui ça, yo contribuer pour payer dans sa vie aujourd'hui. Nous capable dit population depuis 20 ans, 20 dernières années yo, tout chef d'état qui vient, tout premier ministre qui vient, premier ministre yo, c'est des méchants yo, c'est des monde qui a organisé yo pour poche pour famille yo. Yo dis à nous même nous croyons que piki conscience ça les supposer taille à tout le monde qui contribue à mettre Haïti dans sa lieu aujourd'hui. Peuple haïtien, nous tous nous concernés. Ce qui a passé aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui pouvons libérer le pays. En nous mettons ensemble, en nous organiser nous pour retirer Haïti dans sa lieu aujourd'hui. On a toujours été avec la question insécurité à nous parler avec Meyu échange pour APCH puisque tu as un mouvement à grève qui lancé depuis jeudi pour dimanche cap venir là. Est-ce que mouvement grève ça a toujours kembé? Meyu échange, bonjour. Bonjour Gagé, bonjour Pierre-Renel, bonjour tout auditeur. Bon plaisir matin pour nous parler ensemble avec vous. Le matin nous relé sur radio là. C'est juste par rapport à demande tout l'autre syndicat, ils ont demandé non pour nous faire une grève des îles pour le département Grand Sud là, par rapport à Zach Kidnapping, d'après Avage BIA. Des conseils avec tout l'autre syndicat, ils ont demandé non pour nous camper grève là et pour nous remobiliser pour tout département pour décoller ensemble avec nous, pour nous faire un autre mouvement d'une façon pour tout le monde participer, pour nous comment. Nous capables de arriver à nous fin avec Matissan qui impose les transporteurs, qui impose la population évacuée à l'occupation. C'est pour ça que nous, les matins, sur la radio, nous avons campé le mouvement, tout le monde, tout le syndicat qui m'a dit son mouvement national pour lui, c'est pour le sectoriel pour lui. À partir d'aujourd'hui, là, toute activité à reprendre, mais qui date nous prévoit faire campé travail à nouveau? Nous déconseillons là avec tout syndicat, c'est qu'on a la PCH, c'est tout le syndicat parce que c'est le kidnapping, ce n'est pas pour seulement suite. C'est tout le pays qui a pris l'ambre pour kidnapping. Mais ils ont demandé nous pour nous concerter ensemble là, et nous quittons tout coûte là, nous tous syndicats, nous voyons ensemble pour nous faire un mouvement national, pour nous être gouvernement qui là, mettre fin avec kidnapping tant qu'après le pays.
Donc, ça nous va le faire là. Est-ce que nous va le faire du concert avec de l'autre organisation dans la société civile là, de l'autre groupe? Parce que nous avons toujours plein. Là, c'est un groupe pour compte lit. Par exemple, là, nous-mêmes, nous sommes des syndicats propriétaires et chauffeurs. Donc, nous va le décider quand pays travaille pour compte nous. Pendant que la situation n'a pas dénoncé à le concerner tout l'autre secteur. Yo. Est-ce que pas gagné, l'idée, ça n'a pas traversé nous pour nous rencontrer de l'autre groupe de monde et pour faire un mouvement qui pille général? Oui, c'est un mouvement général parce que nous avons parlé avec l'organisation 4 décembre et plus pas que toute l'organisation société civile et nous faisons première rencontre déjà là et écoutez nous tous les chita ensemble pour nous faire un mouvement national pour nous si le gouvernement a obligé de prendre revendication nous au sérieux. Et pour question monsieur t'es prêt à remettre nous? Et dans 4 autobus qui étaient dans le meilleur, ils ont dans le moment grève là, ils ont livré des, jusqu'à présent, ils ont gagné dans le meilleur. Ils ont gagné dans le meilleur? Oui. Ok. Et dis-nous, non. Oui, mais ils ont changé. Donc, conséquences là, qui ça lié pour nous comme chauffeurs? Qui ça, dans quel niveau ça dérange nous? Bon, comme nous, nous avons près de 9 mois là, côté secteur transport à pour Winet, côté nous pas qu'à payer bon machinaux. Parce que vous malgré qu'il y a quelques grandes machines qui ont passer quand même, mais où est-ce que ça fait? Vous prenez un camion tout chargé, vous prenez un camion et votre autobus tout chargé, et là vous prenez tout ça que vous possédez, et forme de vous, et qu'on a presque pas voyagé, voyager, petit grand monde qui voyage, c'est dans l'avion qui voyage, et même vous avez fait des bâtons là, qu'on a pris $700 américains pour passer à vos camions marchandises qui tout chargé, et forme de ça, nous chargez le problème. Nous venons à Pouwinette dans le secteur de transport. Nous pas qu'à fonctionner même. Nous ne pouvons pas saisir pour les propriétaires qui ne peuvent pas manger là parce qu'il y a des salles de conduite. Et qu'il y a des chauffeurs tout cas. Très très en difficulté pour fonctionner parce que il y a pas des chauffeurs qui depuis l'événement pas jamais essayé de travailler. Mais il y a quelqu'un qui travaille. Mais il y a quand même des difficultés. Comme nous-mêmes dans le secteur de transport, nous sommes tellement appauvris. C'est vraiment difficile pour nous. Et c'est ça que dans le camp, nous allons faire là, c'est tout. Les gens qui parlent font seul cri pour nous essayer de sortir dans sa nouvelle là parce qu'ils ne sont pas capables de fonctionner encore. Et de lever camper ça, alors ne connaissait pas la première fois, nous observer arrêt de travail pour dénoncer l'insécurité et kidnapping en particulier. Bon, comme vous avez dit, nous avons parlé avec toute organisation, quelques syndicats, toute organisation, parce qu'il y a un grand nom qui parle avec nous. Et là, Timon parle avec nous, Sant parle avec nous, c'est tout le monde qui m'a dit, nous faisons un gros lever campé de façon pour nous jouer, nous souffre. Et nous-mêmes, nous espérons cette fois-ci, c'est le dernier lever campé que nous allons faire, parce que nous-mêmes, nous, en ce qui concerne tout mouvement nous avons fait, c'est mouvement pacifique. Nous pas qu'à faire aucun autre mouvement, nous-mêmes, en tant que syndicat. Alors, c'est ça que fait, des conseils avec toute organisation là, nous, on peut parler de notre titre, tout coûte là, nous pouvons aller chiter ensemble, là, ça, c'est pas transport, c'est tout pays à net, parce que c'est nous toutes quatre victimes des actes d'insécurité sales. Et par le couche sociale qui est varié, c'est tout le monde. Quel que soit le couche sociale, depuis sa pi va arriver, sa pi va, c'est tout le monde qui est victime là. On a regardé le classement, on a vu une fond de la classe pauvre là, par rapport à M. Ophine déposséder tout ça, nous déposséder. Mais seul moyen pour nous sortir dans sa nouvelle là, son tête ensemble, son solidarité. Et puisque vous demandez pour me replier, pour nous rejoindre avec toute notre organisation pour nous faire un bagage national, c'est ça que fait matin. Une autre fois encore, nous remercions tout le monde qui a participé et nous demandons tout le monde tout pour nous réchiter ensemble là, pour nous essayer de sortir de sa nouvelle là. Ok, et mon retrait nous fait là, il n'y a pas grand rien pour de l'autre. C'est vraiment pour ça. Oui, le retrait nous fait là, et je demande tout pour organiser le pays à parler avec nous. Et tout syndicat, moi, le syndicat Grand nous parle avec nous, le syndicat La Timonie parle ensemble avec nous. Et plateau central, tout le monde est ensemble avec eux. Ils ont porté solidarité avec nous. Et ça, ils ont demandé nous, c'est pour nous faire la galère d'une façon nationale. Parce que c'est tout le monde qui est victime. C'est pas le Grand Sud. La Grand Sud, la plus grave. Parce que nous ne pouvons pas faire très fort. Mais là, la capitale, là, nous ne pouvons pas marcher. Tout le monde paie. Aussi qu'on se dépêche, quand on va marcher, tout le monde est là. On a mis le Grand Sud, 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 on a mis le Grand. Ah, mais c'est pour ça que nous demandons ça, nous-mêmes, les pirates, nous avons dit ça. Quand nous replions, nous allons continuer à chita là pour nous. Qui date nous allons prendre ensemble là? C'est pour ça que toute organisation pour nous, pour le campé national, pour le gouvernement, nous allons écrire nous. Merci un peu.
Oui, ben, tout, c'est ton plaisir. Mais il change dirigeant à PCH, donc qui a annoncé qu'il a campé sur un mouvement grève, il a fait un pour y concerter avec de l'autre organisation syndicale qui m'a dit pour gagner plus l'autre secteur qui rentrait dans le mouvement, puisque c'est une situation, un problème qui concernait tout le pays. On a toujours été dans un bloc sur des capitales avec Stanley Jean-Julien qui est responsable d'une organisation dans troisième circonscription Port-au-Prince-là. Stanley, bonjour. Bonjour Gabriel, bonjour Pierre Winel. Et m'a dit bonjour à toutes les femmes Grand Boulevard et m'a dit bonjour à tout le pays en général et à toutes les troisième circonscription Port-au-Prince-là. Comment ça y est dans troisième là? Bon, Gabriel, nous-mêmes, nous voulons dire deux mots aujourd'hui. Hein. C'est pas seulement dans le niveau troisième circonscription Port-au-Prince-là. Mais c'est pour tout le pays, hein, parce que nous, jeudi à là, nous trouvons dans une situation côté que tout le pays a, le monde pas qu'à vivre là-dedans, insécurité généralisée, a, et nous pas seulement dans le coin dans le pays, ou bien dans Port-au-Prince seulement, c'est dans tout le pays à net. Et phénomène kidnapping, là, peut-être capable d'un côté qui ont tige gens mieux par rapport à l'autre, mais c'est tout côté dans le pays à côté que moun pas qu'à marcher, moun pas qu'à bivaquer avec activité. Bon, c'est avec un pile et contentement, les maptans des meilleurs qui se dit, ils ont fait un retrait sous, causer et camper travail là parce que ils ont trouvé que des nécessités pour c'est tout pays à net qui levait campé, tout secteur, toute force vive nation, qui levait campé pour dire non à ça qu'a fait notre pays aujourd'hui là, parce que faut qu'on suspende et gourmet ou bien pipi gaillé, faut qu'on tout concentre les événements ensemble pour nous sortir de nous dans la situation nous là. Parce que, et nous parlons secret pour personne, journée aujourd'hui là, nous avons l'État qui livre nous, bail à tout ça qui n'est pas bon dans le pays là. Et puisque nous avons l'État qui est responsable, qui dit nous que et nous pas camper sur rien, nous ne fait ça ou là avec nous. Donc nous avons un seul bagage, nous avons seulement pour nous faire et mettre tête nous ensemble, prendre destin nous en main et préparer ici rien, tomber automatiquement dans la désobéissance civile. C'est tout le monde, et qu'un des picots, qu'un des couteaux, tout ça gagné pour défendre tête, pour se défendre tête tout parce que. Je vous dis à la défense, nous connaissons depuis longtemps, la défense, c'est son droit sacré créé. Et si nous avons une équipe dirigeant, ou bien soi-disant dirigeant dans le pays, qui a battu ce matin chaque jour, qui dit que nous avons défendu le peuple, nous avons travaillé pour le bien ou bien le bonheur du peuple haïtien, pendant ce temps, nous-mêmes, nous ne remarquons pas jamais une autorité étatique qui montre nous que nous volonté pour situation ça. Qu'a passé dans le pays a changé, surtout dans la zone et sur le capital là, et bien aujourd'hui, nous-mêmes, nous pas qu'à suspendre, nous pas de continuer à garder sous autorité, parce que nous disons que nous pas qu'à faire pour nous, nous pas voulu faire rien, donc nous pas jamais voulu un signal pour montrer nous que la volonté, même là, pas qu'à faire de façon radicale, mais progressivement, on a qu'à faire pour changer la situation misérable. Et situation et sécurité qu'a dirigé le pays il y a depuis quelques temps. Donc nous-mêmes, au niveau de cellule 65, nous encourager démarche, transporter des décisions que nous prenons pour nous camper, quel que soit le décide de faire, et nous-mêmes nous accompagner pendant que nous avons dit tout le monde dans le pays doit lever, quel que soit où c'est petit monde ou c'est grand monde, ou supposé lever camper. Parce que situation nous trouvons aujourd'hui à là, pas gagner ou pas boire, c'est nous-mêmes qui supposons prendre destin nous en main, c'est nous-mêmes qui devons prendre responsabilité nous comme peuple pour nous dire.